J'étais chaud. Chaud bouillant, sans rien faire. Je suis en train de lire le cahier des remerciements pour le gîte. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, qu'est-ce qu'on voit là? On voit Luc Carrocher, avec qui j'ai fait plusieurs concerts. Donc ben, salut à toi Lucas. Oui, il a vraiment écrit carrément tout un roman quoi. Oh, je vais pas vous lire, c'est un peu intime, s'il te plaît. Avec Nance Vincent. Nuit 1, nuit 2, nuit 3, il a écrit toutes les nuits, mais vraiment plusieurs pages quoi. La vache, il y a même un épilogue. Puis sinon, moi j'ai écrit là, voilà. Je vous dirai pas de ce que j'ai écrit. Chut, c'est confidentiel. Ah, la cloche sonne, je crois qu'il va falloir qu'on y aille. Ça y est, on a tout fini, tout nettoyé, le gîte. Ah, on va lui dire au revoir, hein, tout simplement. Ça sent le départ. Quand on commence à être full comme ça et à mettre ça dans les moindres recoins, histoire de tout pouvoir mettre, et comme c'est full, eh ben, c'est qu'on est proche du départ. Même devant, c'est full. Allez, on est prêt. Ouh, il fait beau. Ça va, t'as la place là derrière? Ouais, c'est bien. Bon. Il a la place. Nous, on est un peu chargés ici devant. Avec la bataille de Polochon, on est rescapé. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on est parti. On rentre. Ça a été la tournée pour tout le monde? Ouais. On dirait l'école des fans. Ouais. Est-ce que ton papa est dans la salle? Il est devant. Et il conduit. Bon, bah, ça y est, on est parti. Eh ben, salut Festivalon, et puis à une prochaine. Salut! À la star! Les premiers jours quoi? Les deux ou trois premiers jours, j'ai fait des échauffements. Ouais. Les trois derniers jours, j'ai rien fait. J'étais chaud. Chaud bouillant, sans rien faire. Parce que, tu sais, à force de jouer tous les jours, comme ça. Bon. T'es déjà chaud quoi? Ah ouais, ouais. Ouais, la voix, non, tous les jours la voix. Ouais, ça, y a pas photo. Ça fait. Par contre, c'est marrant, il y a des trucs que tu passes plus facilement en fin de tournée qu'au début. Là. Allez. On est arrivé. On va débarrasser le van. De la grosse batterie qui prend tout le van, que j'ai dû acheter un van pour toi. Ah ouais, grave, un batteur de métal, alors là, faut pas que ça tombe, c'est toujours ça la grande crainte, c'est quand tu ouvres le, t'as tout qui tombe. Bon, il va falloir vider déjà tout ça pour qu'il puisse prendre sa batterie en plein milieu là. Et renfort arrive. Ah, salut, ça va? Hop. Voilà ce que prend la place que prend une batterie. Ah, tout le reste c'est à moi. Mais ça prend quand même la moitié. Il prend la moitié, il la prend la moitié du van. Voilà. Bon. Merci pour tout. Hein. Bah écoute, bise.